En entrant dans la maison du scorpion, Seiya et Shiryu sentent monter la chaleur du cosmos de Shun dans la maison de la balance. Réalisant que Shun est sur le point de sacrifier sa vie pour Yoga, il tente d'y retourner. Cependant, Milo, le chevalier du scorpion, connu pour sa férocité, n'a pas l'intention de les laisser repartir. Milo lance une aiguille écarlate qui assomme rapidement Seiya et Shiryu. Aiguille écarlate Antares. Imbécile. Mais je dois reconnaître qu'arriver à la maison du scorpion constitue déjà un exploit. Toutefois, je m'attendais à plus de la part de deux chevaliers de bronze. Qu'est-ce donc ? Toi ? Hyoga, chevalier du cygne ? Hyoga, tu es revenu à la vie ? Oui. J'abritis sa propre énergie vitale en chaleur pour me réchauffer et me faire revenir à la vie. Venez, et tous ensemble, partons sur le champ vers la chambre du peuple. Vous rêvez complètement si vous pensez pouvoir atteindre la chambre du peuple. Immobilisation du scorpion. Pour les vaillants chevaliers de bronze, le mot rêve n'a jamais voulu dire impossible. Les rêves sont faits pour être réalisés. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce cristal ? Un cercle de glace. Maintenant, c'est toi qui ne peux plus bouger, Milo. Seiya, Shiryu, emmenez Shun et allez-y. Vous rejoindrez quand j'en aurai fini avec Milo. D'accord. Je te laisse, Milo. Yoga, ne meurs pas. Ne me fais pas rire. Tu crois vraiment pouvoir te débarrasser de Milo du Scorpion avec ce misérable cristal ? Pas vraiment. Je voulais juste te garder sous mon contrôle jusqu'à ce qu'il soit parti. Très bien. C'est l'occasion dont tu rêvais pour m'affronter à armes égales. Je vais bientôt me débarrasser de toi et de ton maudit souffle de glace grâce à ma puissante aiguille écarlate. Pas si je te gèle avant. Prépare-toi à mourir, Milo. Danse du cygne. Tu l'auras voulu. Prends ce souffle rouge minable. Poussière d'eau. That's what I'm talking about. So Hyoga's back from the dead. There was a short cutscene that explained how, you know, they went and heated up his body and such. But I didn't play it because it was just way too short, so. You guys get what's going on. Get out of here. Seriously? Oh, what the fuck? How'd he grab me? Get up. I'll show you. Fuck you. Get out of here. Nope, you're red. Get free. Yeah.
Yeah, get ready. Ooh, that's not gonna work on me, buddy. Oh, fuck, almost had it. Come on, get the... Dude, move, yo, the fuck! Move, move. Damn. Yoga! Yoga! Come on. Get back. Come on, come on. Get wrecked! Yeah, that's what I'm talking about. How'd you like them apples, homie? Now I'm getting angry. I didn't know you could move in charging. J'ai gelé Milo. Je te l'ai déjà dit. Tu n'es pas assez froid pour moi. Regarde-toi bien attentivement. Qu'est-ce que c'est? Tu plaisantes? La trajectoire d'une aiguille écarlate? Exact. Non seulement tu vas te vider de ton sang, mais tu vas également perdre tes cinq sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Tu vas tous les perdre. Jamais. Je ne me laisserai pas faire, Milo. Je vais te battre. Laisse tomber, chevalier signe. Tu n'as pas compris ce que Camus a voulu faire. S'il t'a congelé dans ce cercueil, dans la maison de la balance, c'est qu'il ne voulait pas te tuer. Il a eu pitié de toi. Camus? Par égard pour lui, je ne te tuerai pas. Milo, même si je dois souffrir, je me battrai. Je dois défendre mes frères. Cette époque est digne d'être défendue. Quel est l'intérêt de la vie éternelle? Perdre les cinq sens. Je me battrai jusqu'à la mort. Camus, si risquer sa vie au combat est le seul moyen de prouver sa valeur en tant que chevalier, alors, en tuant Hyoga, je reconnais sa valeur. Et son statut de chevalier ne fait pas le moindre doute. Pardonne-moi, Camus. Tu vas mourir! Poussière de diamant! Aiguille écarlate, en tête! Hyoga, sois heureux de te battre et de mourir. Comme un vrai chevalier. Quoi? Les 15 étoiles du scorpion sont gelées. Comment est-ce possible? Comment? Tu as dû toucher les points vitaux de mes 15 étoiles avant que l'Antares ait eu raison de toi. Ah. Si je n'avais pas cette armure d'or, je ne serais pas le même homme aujourd'hui. J'ai gagné la bataille de la vie et de la mort. Mais je n'ai pas gagné ce combat. Le cosmos de Hyoga a surpassé le mien au moment même où sa vie commençait à disparaître. Même inconscient, tu essaies d'aller quelque part. Mais où? Veux-tu retrouver Seiya? Ou le pop
que tu souhaites battre car il incarne le mal. Il ne te reste que quelques minutes à vivre, et pourtant, tu essaies encore d'avancer vers ton but. Et si cette Saorikido, que les chevaliers de bronze protègent, était bien Athéna, alors tout serait différent et les chevaliers de bronze auraient raison. Voilà, j'ai arrêté l'hémorragie. Tu vas aussi retrouver l'usage d'une partie de tes sens. Pourquoi ? Pourquoi m'avoir sauvé la vie ? Je ne pouvais pas te regarder mourir. Je veux voir jusqu'où toi et tes amis irez, et où cette lutte nous mènera. Alright, pretty dope. Even though we beat his ass, apparently he killed us and then revived us, but Silva's pretty good, and that's that.